Et salut à tous, ici Radamantix pour la suite de ce let's play intitulé Objectif Nemesis. Alors, la dernière vidéo, on avait développé le système, le réseau plutôt d'espionnage. Là, ce que j'ai envie de faire, enfin, c'est de partir en guerre. Ce que je vais faire, bah, je vais commencer puisque je peux pas encore demander de tribut à l'Empire à côté puisqu'il est pas assez faible par rapport à moi. Et bien, tout simplement, bah, je vais commencer à revendiquer ces systèmes. Alors par contre, j'ai pas beaucoup d'influence. Donc ça risque de prendre un petit peu de temps. Parce que là, combien est-ce qu'il me coûte? Eh ouais, ça coûte 90. En tout cas, celui-là, hop, est revendiqué. Et ce que je vais faire, je vais déjà placer ma flotte à la frontière. Tant qu'à faire. Et je reste persuadé qu'ils sont bien plus faibles que moi. On verra. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a qu'une frontière. Donc le combat ne pourra se faire a priori qu'ici, puisque de toute façon là il n'y a rien qui communique. Hein. La seule Juste comme solution, ça ça, serait t'as qu'il une contourne logique. par là, mais ça m'étonnerait beaucoup qu'il le fasse quand même. Là j'y pense tout de suite, parce que bien sûr, souvent, je vous le dis pas forcément, mais j'oublie de lancer mon chronomètre. Donc là, hop, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de la découverte? Alors, ça c'était où? C'était ici, ok. Ah, il faut absolument celui-là que je construise une base assez rapidement. Hop. Là, il n'y avait pas. Non, il n'y avait pas de. Pas d'anomalie. Là, il a terminé. Est-ce que. De toute façon, à mon avis, j'aurais pas assez de points d'influence. Ouais, c'est le problème. Je sais plus comment, en politique, là, de. J'ai quoi? Bah, pourtant, expansionniste. Ouais. Je vais pas encore toucher à ça. Bientôt, j'espère pouvoir passer en agressif, mais là pour l'instant je suis encore en phase d'expansion. Ce serait dommage de me stopper là. Vitesse de construction des chantiers spatiaux plus 25, coût d'amélioration des vaisseaux. Ouais, on va prendre ça. Je vais construire une base là. Construction complete. Et après, je vais continuer à revendiquer des systèmes. Bah là pour le coup, je vais le laisser ici pour l'instant. Lui fait quoi? Et il ne fait rien. Assez difficile, assez difficile. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme anomalie? Ah bah c'est les deux seuls qui me restent. Ok. Bon bah on va les. Bah non, on va pas le laisser là, on va l'envoyer. Reconnaître d'autres systèmes. Hop. Là où. Là, ça bosse. Et là, ça bosse aussi, ok. Au niveau de l'espionnage, on est où? Ezekian. Hop, attendre un peu. Alors, Ezekian, est-ce que je continue à rassembler des infos? Tension de faveur. Manipulation, sabotage, subterfuge. Provocation, j'ai quoi? J'en ai pas pour l'instant de provocation. Garde course. Ah, il me faut 60. Campagne de dénigrement, non. Déclencher un incident diplomatique. Ah, d'accord, j'ai pas vu là, ils sont. Ah, a priori, ce serait leur spécialité, ça, dans quoi ils seraient bien de les employer, je pense. Celui-là pour la manipulation, d'accord. Extorsion de faveur, là pour l'instant il y a pas grand chose qui motive à faire plus. Et l'autre c'est qui déjà? C'est Botrian Unity. Espionnage. Là il se passe rien. Ah c'est que j'ai pas encore assez de points. Ok. Special project complete. Ça devait être par là ça. Excellent. Alors c'était quoi? A rétabli l'alimentation du chantier spatial automatisé qui se trouve en orbite de Pitam 2. C'est là, je crois. Hein. Ouais, c'est ça. L'installation s'est aussitôt remise en service pour achever la construction, blablabla. Et là, ça est ensuite tombé en panne. En quoi? Sans que ce soit possible de la réparer. Nous avons assigné l'équipage à ce nouveau vaisseau. Et celui-ci a rejoint notre flotte. Ok. D'accord. C'est quoi comme vaisseau? Deux vaisseaux. Bah, c'est parfait ça. On va le joindre à l'autre. Et l'anomalie est ici. Est-ce qu'il a terminé lui?
pense pas, non. Là, c'est dommage, c'est un bon système. Mais je pense que c'est plus valable pour l'instant d'attendre un peu, de revendiquer des systèmes. Celui-là, je ne peux pas, il va me coûter combien? Ouf, ouais, 112. Celui-là, 90. Pourquoi il coûte aussi cher celui-là? 112. Bon. Il serait bien. Ouais, l'idéal serait c'est de prendre un système, par exemple celui-là, ou quoi qu'il arrive, j'aurais toujours que un point à défendre. Là, on aura au moins deux, mais bon. Tant pis. Tant pis, tant pis. Alors, si. Là, on est bon. Ok. Et enquêter. Et l'influence, j'en connais pas des masses, hein. Là, j'ai rien à construire pour l'instant. Là, ça colonise. 14%, 6. J'attends un peu parce que j'ai plus beaucoup de marge en extension d'Empire. Je vais pas construire d'autres districts pour l'instant. Ça, c'est qui ça? Gaping. Jaxi, High Kingdom. Impact oblique. On cherche en ingénierie, plus 600. Parfait, ça. Ok, 105. Je peux revendiquer. Celui-là, oui, je vais revendiquer que 3 parce qu'après je vais perdre du temps. Je vais revendiquer celui-là après. Ça coûte combien? 90 aussi. Bon, je vais pas aller aussi loin. Je ferai ces 3-là juste histoire de leur annoncer la couleur. C'était pour quelle recherche celui-là là? Physique, informatique, informatique. Bon, celui-là, il est plus jeune. Colonisation, nickel. Bureau administratif, comme d'hab. Ok. Oh, je suis pas mal, là. Manque maintenant, c'est gagner plus d'influence. C'est dommage parce que du coup je suis stoppé dans mon élan par rapport à l'influence. Et bon, c'est le jeu. Hein. Destroyer limite de commandement de flotte plus 10, mince. Alors, recherche plus 20%, vitesse de construction des destroyers plus de 25%. Bah ouais, on va prendre ça. Ok. Les édits à 9 subvention énergétique. Ouais, de toute façon c'est trop d'influence pour l'instant. La société industrielle extorsion. Alors qu'est-ce qu'ils proposent? On meurt de faim, donne-nous 200 de nourriture et on revient au constructeur et au fabricant avec 200 de minéraux. Pff, non. Tout le manque de nourriture, ça nous intéresse pas. Premier contact. Ah ouais, trois contacts là. Non. Yadoum, nous venons d'entrer en contact avec de mystérieux aliens dans le système de Yadoum. Intéressant, dans le système de Payon et dans le système de Kor. Ah ouais. Mais là, j'ai que. Bah, tous mes émissaires sont déjà occupés. Bien dommage. On s'est situé où, du coup, ceux-là? Là, là et là, ok. Bon. Bien. Ça, on va y aller. On va y aller parce que surtout à ce stade-là, ça peut être intéressant ce qu'on peut récupérer sur l'épave. Il se trouve où? Où est le vaisseau caravanier? Il est où? Ah, mais c'est pas ça. Voir, voilà. Et ici, ok. Lui, normalement, il fait rien. Projet de recherche, hop.
System survey complete. Bah, je vais bientôt pouvoir revendiquer. Ah non, encore un peu et je peux revendiquer le système. Bon, j'espère que je vais pas foirer lamentablement et que je vais rentrer dans une guerre qui va me coûter plus que ce que ça devrait me rapporter. Ah, là c'est bon. Du coup, là ça me fait 32 vaisseaux. Est-ce que je pourrais construire d'autres? Ouais, je vais voir. Pour l'instant, je vais rester sur ça. On construit plus de vaisseaux de guerre. On va voir. Hein. On va voir. On va un peu. Ah, des insultes. Ça, c'est ceux qui sont au, ici, là, au nord. Alors, contempler les formes de l'espèce capinjaxienne, si belle et si dénudée, afin que tous puissent les admirer. Vraiment rien à voir avec les sévantiques qui se recouvrent de tissus en sachant que le monde ne veut pas voir leur si pitoyable constitution. Vous voyez, ça qui sont chouettes. Des propos aussi injustifiés ne peuvent être tolérés. Cela dégrade évidemment nos relations. Bah, moi, je vais pas répondre. Pourquoi déjà xénophobe et matérialiste. Pour l'instant, c'est pas eux qui m'intéressent, donc je vais pas leur répondre. Alors, ça me rapporte quoi? Option de recherche, raffinage de gaz toxique, ok. C'est vrai que ça, j'ai pas encore eu de matière rare là, dans mes systèmes. En tout cas, je crois pas. Bref, fais gaffe en tout cas, mais je crois pas. Hein. Changement d'éthique, ils deviennent quoi? Égalitariste, d'accord. Ah, j'ai oublié. Donc là, je peux revendiquer 112. Il est cher quand même celui-là. Ah, je vais partir sur ça et on va pouvoir déclarer la guerre. Contact des écanes. Puissance de flotte équivalente. Bon allez, hein. On va pas non plus attendre. On va pas s'éterniser non plus. On va déclarer la guerre. Oh, est-ce que c'est déclarer la guerre? Revendication. Et hop. Alors par contre, j'ai pas fait gaffe, je crois bien qu'ils ont des alliés. J'ai pas fait gaffe. Premier contact avec Chaskeran Tranquil Union, démocratie morale. Fanatiquement égalitariste et pacifiste, ok. Heureuse rencontre mes amis, nous sommes la Chaskeran Tranquil Union, une civilisation reposant sur ses piliers que sont la coexistence pacifique et les libertés individuelles. Notre premier ministre Oberland, l'actuel chef de notre gouvernement, a exprimé son espoir sincère que nos deux peuples noueront une amitié durable. Bon, on va la jouer tranquillou, hein, nous vous saluons, camarade explorateur. Alors, est-ce qu'ils ont des alliés? Oui. Mais attends, c'est ceux avec qui je viens de nouer le contact? Ah mince! Bon, tant pis, hein. Bon, voilà. Allez, go. J'ai pas encore capté que je t'en viens. Hop. Ah, déjà, leur station elle va faire mal. Hostile station engaged. Bref. On va arriver. Oh, bah ça va. Leurs boucliers sont déjà tombés. Bon, je m'en sors à moindre frais, je pensais que ça aurait été plus dur que ça. Ok. Là on est bon. Ici ça donne quoi? Alors station 651 et là 166, ok. En fait le but, hein, on va essayer de rentrer le plus loin possible dans leur territoire dès le départ. System survey complete. Alors là c'est où? C'est ici. Enquêter. Ça c'est quoi? Ah, il y a des... Attends. C'est quoi ce truc là? Débris.
Il y a eu des débris, d'accord. Est-ce que j'ai... Est-ce que j'ai... Est-ce que j'ai ce qu'il faut dans le coin? Ouais, j'enverrai celui-là. Ouais, bon, c'est... Tranquille, hein. Ouais, j'ai encore perdu une corvette. Un voilier solaire primitif, certes, mais néanmoins intéressant. 589 d'ingénierie. Alors ici, il manque du logement. Ça fait deux débris. Alors il faudrait vite qu'il se dépêche de terminer sa reconnaissance, puis que je l'envoie. Rencontre-t-il l'Inésie civilisation? Nous avons détecté la présence d'une civilisation alien primitive sur Peya 2 dans le système de Peya. Peya, c'est en haut, je crois. Hein. Pas du tout. Les sondes montrent que cette culture néolithique maîtrise le feu et emploie un langage oral rudimentaire, mais nous n'avons aucune preuve encore d'un accès à la métallurgie ou à la communication écrite. Nous devrions envisager la construction d'un poste d'observation au-dessus de ce monde afin de l'étudier de plus près. Intéressant. Ah, attends. Peya. Où est-ce? Où est-ce Peya? Ah tiens, je suis persuadé que c'était dans le journal de bord, ces trucs-là. Bah non. Bizarre. Bon, ça doit être quelque part où j'ai observé. Mince. Où est-ce que c'est? Il fait quoi? Rien. Ah, c'est là. Oui, c'est ça. Ok. Premier contact, c'est dommage parce que j'ai pas de. Intéressant, j'ai pas de. D'émissaire. Là, j'ai aucune perte. Ok. Ici. Ok. Ce qui serait bien, c'est que je rencontre assez vite une de leurs flottes pour la détruire. D'avoir vraiment le champ libre. Bon là du coup c'est cool parce que j'ai un cas pour la base ici, la base ici. Ça protège relativement mon territoire en cas de contre-attaque de leur part. Ok, donc là bah, je crois que j'ai terminé ici. Ah non, rien ici. Je vais quand même l'envoyer bah, enquêter sur les débris histoire d'avoir de l'avancement dans les technos. Thème reconnu. Y a pas quelqu'un qui voudrait être mon copain par hasard là pour bah non personne même pour j'allais dire pour faire des échanges technologiques mais non personne ne m'aime. Franchement c'est bien caché mon jeu. Marine Karine fascination florale différentes plantes originaires de Navi Prime où nous avons récemment implanté une colonie libère de grandes quantités de pollen dont la complexité chimique est stupéfiante. Un projet de recherche spécial a été lancé pour étudier plus en détail cette flore. Curieux. Bon, ça va lancer direct. Étude florale. Ah, il faut un scientifique sur place. Bon, on enverra celui-là après, hein. Ça, je vais relancer. Ah, j'ai plus trop d'argent non plus. Ah là. Je pense que je peux tenter le coup. Qu'est-ce qu'ils ont comme équipement, eux? Blindage, bouclier. Ouais. Ok. Bon, on va bien voir. J'ai juste l'impression que... Non, ça va pas changer. Ça n'a pas changé. Okay. Technologie. Laser UV, ça tombe à pic. Réacteur à fusion, inhibiteur PRL, production, réacteur à fusion. Ce qui serait bien du coup, c'est que là je batte leur flotte et qu'après je la ramène pour... Oula, pour l'upgrader. Bon, oh, ça va.
Ça va, ça va, ça va. Par contre, il y a pas mal de choses à détruire, là, si je peux. Bon, juste pour le fun, on va réduire la vitesse pour la bataille. Communication établie, ok. Premier contact avec la Oginologue Interstellar Autocracy. Je vous transmets les salutations de Bubad Uvidoglav, grand maréchal incontesté de la Oginologue Interstellar Autocracy. Et un grand champignon aussi pour ne pas le préciser. Nous aimerions apprendre davantage sur votre espèce. Quelle technique martiale utilisent vos guerriers étant donné votre physiologie fascinante? Nos guerriers vous saluent. Bon, ils ont l'air peinards aussi ceux-là. Impérialiste, hégémoniste. Xénophile, d'accord. Militariste. Et matérialiste. Ouais, on va être tranquille avec eux aussi. Empire Stellaire, Imperium of Pleione. Guerrier tenu par l'honneur. Xénophile et fanatiquement militariste. Je vous transmets les salutations de Kulegafrag Seg, impératrice incontestée de la Imperium of Pleione. Nous aimerions en apprendre davantage sur votre espèce. Quelle technique? Bon, ça c'est la même chose. Bon bah. Salut, hein. On va être peinard quand la. Ah. C'est les mêmes questions qu'ils me posent. Eux, ils sont quoi? Guerriers tenus par l'honneur aussi, xénophiles et fanatiquement militaristes. Ok. On reste gentil. Incoming transmission. Là, c'est quoi ça? On peut pas. Établissement d'une ambassade accepté. Fermeture des frontières. Et bon, on va faire de même. Ok. Ok. Premier. Attends, c'est quoi ça? Premier contact interrompu. La Mualène s'est établie des communications avec nous. Le processus de premier contact avec elle a été interrompu. Cliquez pour sélectionner la planète. Ah, d'accord, je vois. Ok. C'est eux qui sont entrés en contact. Ok. Donc là. Bon, pas de blague, hein. Là, je pense que si je gagne la bataille, j'ai grande chance de gagner la guerre. Ouais, ça. T'es en train de prendre l'avantage. Ah, mais c'est qu'en fait, oui, j'ai pas réagi, mais alors toi, t'as battu en retraite, là. Ça, c'est pas cool. Bon, ici, c'est quelle puissance ici? 674. Ok, donc ça c'est bon, je l'ai traité. Ça c'est bon, c'est traité aussi. Parce que là j'ai eu des pertes. Non, zéro perte. Bon, logiquement, il devrait être attaqué ici. Hostile fleet engaged. Hostile fleet engaged. Il a réussi à se barrer. Ah, ils s'envoient toute leur flotte en retraite, ça. Spaceport lost. Ah, comme prévu, ils sont attaqués en haut. Ok, là j'ai eu zéro perte, je leur ai détruit un réseau de transport, ok. Bon, faut vraiment. En fait, c'est cette flotte-là. Si je la détruis, bah forcément, je prends une bonne option sur la victoire. C'est juste, tu me laissais cliquer dessus. Voilà. Colonie, hop, bastion. Allez. Et le vaisseau scientifique là, il est. Et oui, il est pas super rapide quand même. Là, ça bosse, c'est bon. Ici, ça fait rien. Spaceport under attack. Et. Ah mince, 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 mince. Je crois que c'était l'autre. Ok. Et là, c'est. Ça, c'est eux, ça. C'est bien, parce que si j'arrive à les intercepter. En plus,
plus là ils perdent du temps pendant qu'ils se battent. Une exposition prolongée au pollen naturellement présent dans l'atmosphère de Navi Prime sur les récepteurs de phéromones. Des colons en effet légèrement aphrodisiaques accompagnaient la sensation à peine perceptible de planer. Ça, j'ai déjà eu cet événement là. Remarquable. Pour faire le modificateur premier stade phéromonal, se traduisant par bonheur plus 10%. Bon, j'ai laissé ça comme ça pour l'instant. Et du coup, je vais m'arrêter là. Je vais laisser le suspense pour la prochaine fois concernant cette bataille à venir. Bon, je pense pas vraiment avoir beaucoup de mal à gagner normalement. Ils ont 1510 de puissance de feu, j'ai 2053. Normalement, ça devrait le faire. Voilà, bah en tout cas, quoi qu'il en soit, moi je vous laisse là. N'oubliez pas de vous abonner si ce let's play vous intéresse, comme ça vous n'allez rien rater des prochaines vidéos. Je me suis passé, je le rappelle, à une vidéo tous les deux jours. N'oubliez pas non plus, pour m'aider, si vous le souhaitez, à mettre un pouce vers le haut, ça m'aidera bien à référencer cette vidéo. Et dans tous les cas, moi je vous dis à très vite, et donc à dans deux jours, bonne journée et ou bonne soirée. Allez, ciao ciao.